Nous allons donc entrer dans... Nous avions déjà vu ce grand livre de la rédemption. Et nous Il est appelé le livre de la rédemption. Yango ebengami mokanda na lisiko. Nous avions vu le chapitre 4. Tomonaki mokapo ya mine. Que après les âges de l'Église. Ete simana bileko na lingomba. Il se termine au chapitre 3. Oezali kosila na mokapo ya misato emoniseli. Nous avons le chapitre 4. Tozali na emoniseli mokapo ya mine. Où on dit à Jean, monte ici. Wapi bazali koloba na Yohani mata awa. Les âges de l'église sont terminés. Bileko na lingomba esili. Maintenant on dit à Jean, monte. Sikawa balobi na Yohani mata. Pour voir des choses là au ciel. Pona komona makambo kuna na lola. Et le prophète a montré que Apocalypse 4. Naboy mosakoli alakisaki ete moniseli mokapo ya mine. C'est un type de l'enlèvement. Ezali etaliseli to elilingi ya konetolama. Monte ici. Mata awa. Le premier saut, paragraphe 24. Elembo aliboso eteni ya tukumi mbaye na mine. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Na emoniseli mokapo ya mine Yohani anetolamaki mpo na komona makambo ezalaki oyo ezali pe oyo ekozala. Mais pour ce qui est de l'église, ça se termine au chapitre 4 ou bien au chapitre 3. Kasi mpo na oyo etali bileko na lingomba esili nde na mokapo ya misato. Alors Christ enlève l'église qui est ravie. Naboye Christo azali konetola lingomba oyo ememami. Dans les airs à sa rencontre. Nami pepe na kokutana na ye. Chapitre 4. Mokapo yamine. Maintenant, oh, j'espère qu'un jour nous pourrons étudier toutes ces choses à fond. Sikawa nazali koliki ete mokolo moko tokoyekola makambo na bozindo. Avant qu'il vienne. Liboso na ye aya. Sinon, eh bien, nous les verrons de toute façon. Sokite atako bongo tokomona yango. Jean a été enlevé. Yohane anetolamaki. Son esprit a été enlevé. Molimo na ye enetolamaki. Son corps est resté sur la terre. Nzoto na ye etikalaki na mokili. Pour voir des choses qui ont été, qui sont et qui seront. Pona komona makambo ezalaka o ezali pe o ekozala. Il a vu le trône. Amonaki kiti na bokonzi. Il a vu Jésus sur le trône. Amonaki Yesu kovanda likolo na kiti na bokonzi. Et toutes ces choses nous les avons vues. Pe makambo nyonso tomonaki yango. Et du trône sortent des éclairs. Pe uta na kiti na bokonzi mikali kali ezali kobima. Au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de joie, de jaspe et de sardoine. Na eteni misato oyo avanda na kiti na bokonzi azalaki na lolenge ya libanga na jaspe ya sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pe kiti na bokonzi ezingamaki na monama. Au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Na eteni ya mitano, uta na kiti na bokonzi, mikali kali pe lokito na kake pe mingongo ezali kobima. Et nous avons vu toutes ces choses en détail. Tomonaki makambo nyonso na bozindo. Ce que c'est que le trône. Oyo kiti na bokonzi ezali. Nous avons vu le chapitre 5, le livre de la rédemption. Tomonaki mokapo ya mitano emoniseli mokanda na lisiko. Nous avions vu que ce livre, c'est
les titres de propriété. C'est le livre de vie de l'agneau. C'est le livre de la rédemption. Ce livre-là, c'est le livre qu'Adam avait perdu. C'est un livre mystérieux, c'est le livre de la rédemption. C'est le titre de propriété. C'est appelé aussi le livre scellé de sept sceaux. Quand Adam a péché en écoutant les raisonnements de Satan, Tango Adama sumukaki na koyoka mabanzo ya Satana, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, nesika na ekotelema na liloba na Nzambe, il a perdu son héritage. Abungisaki libula na ye. Il a perdu ses livres là, ses livres de l'autorité. Abungisaki mokanda na mokanda ya bokonzi. Les titres de propriété qui lui donnaient, qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Mokanda na bonkolo ezali kopesa ye makoki na mokili pe na bomoi na seko. Paragraphe 116, la brèche. Eteni ya mokama na zomi na motoba la brèche. Les titres de propriété confisqués maintenant entre les mains du Dieu, du propriétaire originel, le Dieu tout-puissant. Mokanda na bonkolo babotolaki eza sika na maboko na mokolo nango ne bandeli Nzambe na nguya nyonso. Les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Mokanda na bonkolo ezali kopesa makoki na mokili pe na bomoi na seko. Quand Adam l'a perdu, Tango Adam abungisaki yango, il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Yango ezongaki na nkolo nango ne bandeli Nzambe ye moko. Donc ce livre-là d'Apocalypse 5, na boye mokanda wana emoniseli mokapwa mitano, c'est un titre de propriété. Ezali mokanda na bonkolo. Qui donne droit à l'autorité sur la terre et à la vie éternelle. Adam l'avait, Adam le détenait. Adama azalaki na yango. Et après, il l'a perdu. Pe sima Adama bungisaki yango. Satan ne pouvait pas prendre cette autorité. Satana akokaki kokamata bokonzi wana te. Ni l'autorité, ni prendre la terre comme sa propriété. Pe akokaki kokamata mokili oloko la libula na eto eloko na yete. Pe pas. Te ata mokete. La terre appartient toujours à Dieu. Mokili ezali tango nyonso ya Nzambe. Et la vie éternelle. Pe bomoi na seko. Adam, Satan ne peut jamais avoir la vie éternelle. Satan na koki kozwa ta mokete bomoi na seko. Donc nous, Adam a perdu tout cela. Adam abungisaki nyonso wana. Et maintenant, Sikawa, hein, Jésus-Christ prend maintenant ces livres-là. Yesu Kristo azali kokamata mokanda wana. Donc les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Na boye mokanda na bonkolo eza kopesa makoki na bomoi na seko. Quand Adam l'a perdu, Tango Adama abungisaki yango, il est retourné dans les mains du propriétaire, le Dieu tout-puissant. Yango esongaki na maboko na nkolo na yango Nzambe na nguya nyonso. Alors, la rédemption, c'est quoi? Nabo elisiko ezali nini? Parce que c'est un livre de la rédemption. Kwete ezali mokanda na lisiko. Sa rédemption signifie lisiko na ye lingi koloba la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Kokamata yengebene na mobeko na Nzambe nyonso oyo Adam na Eva babungisaki. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Yango ekoki kosa likambo motino nini kati na mokristo abotami mbala mibale. La possession légale du titre incontestable. Kokamata yengebene na mobeko na Nzambe mokanda na bonkolo bakoki kobetela tembete. Du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Mokanda na bonkolo ezali kopesa makoki na bomoi na seko. Et cela signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Yango elingi kolobete yo sili kokamata nyonso Adam na Eva babungisaki. Quand tu reçois ce livre, tango yo sali kokamata mokanda yango, c'est pour dire que tout ce que Adam possédait, tout ce que Adam avait perdu,
toi tu as le droit de recevoir ça. Et zali pona kolobe te nyonso Adama abungisaki lelo za na makoki ya kozwa yango. C'est pour vous. Ezali pona bino. C'est pourquoi l'Apocalypse 5 était très très important. Yango ne moni seli mokapo mitano ezaki na motuya mingi. Quand on a demandé qui est digne de prendre ce livre. Na boetango batunaki nani akoki pona kokamata mokanda yango. Hein, Jean sachant que c'était le livre de la rédemption. C'était le titre incontestable qui nous donne de nouveau la vie éternelle. Qui nous donne encore le droit à cette terre. À l'autorité sur cette terre. Quand il n'y avait personne, c'est comme ça que Jean commençait à pleurer. Et Jean représentait l'église. Pourquoi tout le monde, tous ont commencé à pleurer. Parce que s'il n'y avait personne, comme le prophète l'a dit, il n'avait été trouvé personne, alors Jean a fondu en larmes. Tout était perdu. Il a pleuré amèrement. Alela ki penza na pasi na motema. Il était triste parce que toute la création entière, tout serait perdu. Azala ki na mawa na motema po ete ekela mu mobimba nyonso elingaki kobunga. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Soki bazwa ka moto te oya koki. Or, cet événement, ça se passe ici au temps de la fin. Donc, pour dire que même la mort de Jésus ne pouvait plus avoir sa signification. Parce que maintenant, même si on a payé le prix, mais si tu ne viens pas réclamer la chose pour laquelle tu as payé le prix, donc cette chose-là va pourrir. Il faut qu'après avoir payé le prix, qui vienne réclamer cette chose. Il faut qu'après avoir payé le prix de ta voiture, qui vienne réclamer cette voiture. Tu entres dans la voiture, tu roules dans la voiture. À ce moment-là, cette voiture t'appartient. Mais payer simplement les prix, ça ne suffit pas. Parce que quelqu'un d'autre peut venir réclamer cette chose. Et c'est pourquoi c'était très très important. Apocalypse 5. Il fallait que la personne qui avait payé les prix vienne maintenant pour dire c'est moi, je suis là. Je viens maintenant réclamer la chose là. Je vais maintenant la posséder. J'aimerais que ça m'appartienne. Et c'est ça Apocalypse 5. Gloire à Dieu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, tous les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, les droits à la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et c'est pourquoi Jean s'est mis à pleurer. Mais il n'a pas pleuré pendant longtemps. Parce que le rédempteur, la personne qui avait payé le prix, le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti du trône. Il a entendu ces cris-là. On cherchait les parents rédempteurs.
Et comme les prophètes l'a dit, tous ils avaient entendu. Et personne n'était digne de venir. Voilà les livres de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. C'est que ce livre, que quelqu'un vienne prendre ce livre. Voilà les titres des propriétés pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Botala mokanda na bonkolo pona lisiko ya mokilipe ya lola mobimba. Que celui-là veille bien maintenant s'avance. Moto wana oya koki apusa na sikawa. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Allo basikawa to avanda kimia pona libela. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre, qui en est digne? Moto moko apusa na asenga mokanda ngo nani abongi. Il n'y a personne dans le ciel. Moto moko tazalaki na lola. Depuis Adam, Uta Adama, jusqu'à la fin, Kino na suka, en passant par tous les apôtres et les prophètes, na koleka na nzela na bantoma nyonso pe basakoli, et tous les restes, pe bato nyonso mosusu, on n'a trouvé personne. Bamona ki motote. Maintenant, qu'en est-il? Sikawa ezali nini? Personne dans le ciel. Motomo kote na lola. Personne sur la terre. Motomo kote katina mokili. Quand est-ce que ceci est en train de se passer? Tango nini likambo ezali katina ko salama. Au temps de la fin. Na tango na suka. En ce temps de la fin. Na tango yo na suka. Personne dans le ciel. Motomo kote na lola. Personne sur la terre. Motomo kote na mokili. Personne qui ait jamais vécu. Motomo kote katina ba oyo basi ba bika. Personne. Motomo kote. Élie était là. Elia azalaki wana. Moïse était là. Mose azalaki wana. Tous les apôtres étaient là. Bantoma nyonso bazalaki wana. Tous ceux qui étaient morts. Ba ebanso bakufa. Tous les saints. Ba santu nyonso. Job les sages. Yobo moto na bwanya. Ils étaient tous là. Bango nyonso bazalaki wana. Personne n'était digne même de regarder les livres. Moto moko te akokaki ata kotala mokanda. Encore moins de les prendre et d'en briser les sceaux. Qu'est-ce que les papes et tous ceux qui deviennent? Papa, azali nani pe bato nyonso bazali koko mabongo. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer s'ils le pouvaient. Basenga kinde komosiko lia pusa na soki a koki. Mais il fallait un parent rédempteur. Kasi sengela kinde komosiko limoko. Aucun homme. Moto ata mokote. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Pwete ata mokote katina bango asikola maki. Aucun homme n'était digne. Moto mokote abongaki. Il fallait un parent humain. Esengela ki ndeko ya moto. On l'a demandé mais on l'a trouvé nulle part. Basenga ki e kasiba mona ki e pai mokote. Même dans le ciel. Ata na lola. Sur la terre. Na mokili. Sous la terre. Na se na mokili. Dans la mer. Il n'y avait personne. C'est fort. Les ali passi. Banam dit. Banam alobi. Voici les livres de la rédemption. Voici les titres des propriétés. Botala mokanda na bonkolo mokanda na lisiko. Il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises. Bakope sango na ndeko mosiko li oya kokokisa masenga oyo basengi. Mais il Jean a cherché. Kasi Yohane alukaki. Il a cherché partout sur la terre. Alukaki bipai biso na mokili. Il a cherché sous la terre. Aluki na se na mokili. Il n'y avait personne. Moto moko tazalaki. La création et tout était perdu et Jean a pleuré. Et que la mupenyo se bunga. Il a pleuré parce que il n'y avait personne. Et pourquoi il n'y avait personne? Parce que les prophètes de Dieu disent, tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe. Paragraphe 124. Tous les hommes étaient nés sexuellement par le sexe. Tous. Et le seul
qui ne l'était pas, il avait perdu les droits à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Et c'était Adam. Et lui aussi, il est tombé dans le sexe. Même s'il n'est pas par le sexe, mais il est tombé par le sexe. Il a eu Abel par le sexe. Il a eu d'autres enfants par le sexe. Mais on cherchait quelqu'un qui ne pouvait pas naître par le sexe, qui ne viendrait pas par le sexe, et qui lui-même ne tomberait jamais dans le sexe. Qui est ce parent rédempteur? Parce que sinon, Adam pouvait se présenter. Parce qu'il n'est pas venu par le sexe. Mais son péché, c'est quoi? D'avoir accepté ce que Ève avait dit. Et d'avoir utilisé son sexe pour avoir l'enfant. Il est tombé dans le péché. Mais il n'y a qu'un seul homme qui a dit: qui me convaincra de péché? Qui va me convaincre que j'ai péché, ou bien je suis né dans le péché, ou bien j'ai péché? Qui? Nani? La loi exigeait un parent rédempteur. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Moïse par le sexe, Abraham par le sexe, Josué par le sexe, Joseph par le sexe, David par le sexe, David nanzela na mwasi na mobali, Eli par le sexe, Eli nanzela na mwasi na mobali, Yohane mobati nanzela na mwasi na mobali, Paul dans le par Paul le nanzela na mwasi na mobali, Branham par le sexe, Branham nanzela na mwasi na mobali. Qui? Nani? On devait avoir quelqu'un qui n'est pas né par le sexe. Ba sengela ikozana moto ya botami nanzela na mwasi na mobali te. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, si tu as un autre parent rédempteur autre que Jésus-Christ, tu es perdu. Yangwana lelo soki ozali na ndeko mosiko li mosusu libanda na Jésus-Christ, yo bungi. Tu es perdu. O bungi. Qui? Nani? Le prophète est clair, la Bible est claire. Biblia ape mosako li bazali koloba polele. Tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Ils peuvent dire leur papa et maman. Adam, qui n'en avait pas, lui aussi a utilisé le sexe. Et c'est là le péché. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam: comme toi, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as péché, à partir d'aujourd'hui, tu souffriras. Parce que tu as utilisé le sexe. Tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Et maintenant, vous devez bien le voir. Que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors vous voyez ce qu'il en est là. Bomoni o yango ezali wana. C'est là que la chose entre en ligne de compte. Ezali wana nde likambo ezali komonana. La semence du serpent. Momboto na nyoka. Maintenant on exigeait un parent rédempteur. Sika wa bazalai kosenga ndeko mosikoli. Et le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Pe ndeko mosikoli asengela ki kobotama na bato. De la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Mais
Je vais vous faire entendre le son de la trompette. Kasi nakoyo kisabino lolaka na kelelo. La naissance virginale nous a donné le parent rédempteur. Motama uta na moseka yango epesibiso ndeko mosikoli. La naissance virginale. Motama uta na moseka. Alléluia. Alléluia. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant. Motomo susute bobele nzambe na nguya nyoso. Devenu Emmanuel. Akomaki Emmanuele. L'un d'entre nous. Moko katikati na biso. Emmanuel. Emmanuele. Le parent rédempteur était trouvé. Ndekomosi koli azwamaki. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pe ezali nkolo Yesu Kristo. Il n'est pas venu par le sexe. C'est la parole elle-même qui s'est formée un corps dans le sein de Marie. Et Dieu s'est manifesté dans la chair. Voilà la grâce qui intervient. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on voit maintenant l'agneau qui sort. L'agneau qui sort. Il prend maintenant les livres. Et Jean voit l'agneau. Et on dit, Jean ne pleure plus. Voici les lions de la tribu de Judas. La racine et les rejetons de David. C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Christo. Parce qu'il est né dans la maison de David. Parce que par la rédemption. Comme Boaz. La rédemption de Boaz est en deux parties. Ya Boaz, prendre Ruth, la Moabite. L'épouse de gentil comme épouse. Moi si na bato na mabo. Et racheter, prendre tout ce que Elimelec avait laissé. Tous les biens de Naomi. Et Naomi représente Israël. Et c'est pourquoi on doit voir dans le parent rédempteur toutes ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, pourquoi il est le lion de la tribu de Judas? Parce qu'il va racheter aussi Israël. Et dans les millénaires, on sera là ici sur la terre avec Israël. L'épouse avec Israël. Le lion de la tribu de Judas. Il est un agneau. Azali mwana na mpate. Il est le roi. Azali mokonzi. Il est notre roi. Azali mokonzi na biso. Il est le roi des rois. Azali mokonzi ya bakonzi. Il est le seigneur des seigneurs. Azali nkolo ya bankolo. Il est aussi un agneau. Azali pe mwana na mpate. Et Jean regardait pour voir les lions. Au lieu de voir les lions, on lui avait d'abord parlé. Mais il voit un agneau. Il était sanglant. Il était blessé. Il était revenu à la vie. C'est un agneau qui est arrivé tremblant avec du sang sur lui. Des blessures. On pouvait voir qu'il avait livré la bataille. Pour montrer que le lion dont on avait parlé, il est l'agneau. Ce ne sont pas deux personnes différentes. C'est lui le lion là. C'est l'agneau. Et le prophète de Dieu dit, il était là sur le trône.
Azalaki wana likolo na kiti na bokonzi. D'où s'est-il avancé? D'où est-il venu? Aoutaki wapi? Hein? Il est venu du trône du Père. Aoutaki na kiti na bokonzi ya tata. Sur lequel? Likolo na yango. Il était assis. Avandaki. Depuis qu'il avait été immolé. Outaye abomamaka. Et qu'il était ressuscité. Pe asekwaka. C'est Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Et celui qui a été immolé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand il a été immolé, le Saint-Esprit était déjà sorti. Il était immolé comme un homme. Le para-rédempteur. C'est pourquoi celui qui s'avance là, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'homme, Jésus. Le parent rédempteur. C'est lui qui s'avance, c'est l'homme. C'est lui dont Étienne a dit, je vois Jésus assis à la droite de Dieu. Il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Et il était resté là. Il a remarqué qu'il était blessé, tailladé, meurtri. Qu'il saignait. Un agneau sanglant, voilà ce qui a pris notre place. Jean ne l'avait pas vu avant. Parce qu'il s'est trouvé tout au loin dans les éternités. En train d'intercéder. Loin là, c'est-à-dire dans le trône. Et montrer pour ceux qui étaient venus à Dieu un substitut. Donc l'agneau s'est avancé. Il est venu du trône du Père. Il est venu de la gloire. Où il est assis à la droite de Dieu. Et maintenant il s'avance. Il quitte maintenant la droite de Dieu. C'est l'agneau. Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Il sort là avec du sang qui coule. Pour montrer que c'est moi qui étais mort. C'est moi qui avais donné la vie. C'est moi qui ai né par la naissance virginale. C'est moi Jésus-Christ. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous n'avez pas un autre parent rédempteur. Le même qui a marché sur la terre. Le même qui est monté. C'est le même qui revient. Comme au fait de l'expiation. C'est le sacrificateur. Le souverain sacrificateur. C'est celui-là qui tue les boucs. Qui prend le sang. Il verse une partie sur l'autel. Il prend le sang. Il entre avec le sang dans les lieux très saints. Et quand il entre avec le sang dans les lieux très saints, on attend que le même, s'il a été accepté, c'est le même qui va sortir. Si c'est un sacrificateur différent, cela veut dire qu'on ne l'a pas accepté. Cela veut dire que celui qui est entré n'était pas digne. On doit refaire la chose.
Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va sortir de l'intérieur. Parce qu'il n'y avait personne à l'intérieur. On doit reprendre la rédemption. Est-ce que vous me suivez? Donc celui qui est entré, on l'attend. Et avec un fil sur le pied. Si on attend, on bouge un peu. On sent que lui, il bouge. Pour dire que je suis vivant. Je suis encore là. Vous sentez que le fil est en train de bouger. Mais si on tire, on ne sent rien. On attend, on ne voit rien. On va les tirer. Parce qu'aucun autre homme ne peut entrer dans le lieu très saint. Aucune autre personne. Mais il verse le sang dans le lieu très saint. Il attend avec un signe. C'est là où se trouvait la nuée. C'était dans la présence même de Dieu. Il verse le sang. Il entre avec l'Urim Tumim. Pour voir si toutes les lumières ont montré que Dieu a accepté. Et Dieu va lui dire, j'accepte le sang. Et dès que Dieu a accepté, il sort avec le sang. Et on va voir la même personne qui est entré. C'est la même qui sort. Et dès qu'il sort, c'est ça la rédemption. C'est ça le cri à ce moment. Dès qu'il sort, un sacrificateur qui se tenait là, il sonne la grande trompette pour dire que c'est le jubilé, pour dire que vous êtes pardonné. Vous êtes justifié. Vous êtes libéré. Et le souverain sacrificateur, il va verser le sang sur le peuple. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, on devait voir que le même Jésus-Christ qui est entré, on doit le voir encore sortir. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la rédemption. Aujourd'hui, les anges ont dit, quand les apôtres regardaient, pourquoi vous regardez? Ne continuez pas à regarder pendant trop longtemps. Parce que c'est même Jésus qui s'en va, il reviendra de la même manière. Et Jésus a dit, quand vous verrez le Fils de l'homme dans la nuée avec les anges, levez vos yeux, c'est votre rédemption. C'est votre rédemption. Et aujourd'hui, cela s'est accompli. Quand vous voyez, quand il est monté, c'était l'homme Jésus qui montait. Et après, on l'a vu environné par la nuée. Et il est monté, l'homme Jésus, dans la nuée. Les anges ont dit, le même Jésus, et vous voyez, dans la nuée, il reviendra de la même manière.
Et le jour où vous les verrez comme ça, levez vos yeux. Vous n'êtes plus des esclaves. Hein? Un esclave, il est là, les dos, en train, on est en train de le faire souffrir. Mais quand tu lèves les yeux, pour vous dire que je suis libre maintenant, regardez vers le ciel. Ta rédemption. Et ta rédemption signifie le retour à ton héritage. Le retour à tes privilèges. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas voir cela, ce serait terrible si tu ne vois pas ça aujourd'hui. Si tu ne vois pas ça aujourd'hui, c'est que tu n'es pas inclus dans la rédemption. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand il sort, il prend les livres. Quand l'agneau a pris les livres, c'était des cris. Ezalaki koganga. Des cris terribles. Koganga yamakasi. Moïse a sauté là-bas. Élie a sauté. Kuna, Eli a David ont crié. David bagangi. Les Job ont crié. Ayobo bagangi. Tous ont crié. Bangobanso baganga ki. Et maintenant. Pesikawa. Il prend les livres. Akamati mokanda. Dans Apocalypse 10. Nemoni seli mokapa zomi. Il descend maintenant. Azali kokita sikawa. Pour se révéler, pour dévoiler au vivant un ces grands mystères de la rédemption. Et c'est pourquoi je crois toujours qu'aujourd'hui, celui que moi j'ai vu là, c'est lui que, qui est venu dans la nuée aujourd'hui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Ezali Jésus-Christ. Le para-rédempteur. C'est l'homme. L'homme. Ezali moto. 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 Ce n'est pas du spirituel. Ezali makamona molimo te. Le spirituel, c'est la colonne de feu là. Mais ici, mais ici, awa, vous voyez le visage. Ezali komona elongi. Vous voyez les nez. Omoni zolo. Vous voyez la bouche. Omoni monoko. Vous voyez les oreilles. Omoni matoi. Vous voyez le visage. Omoni elongi. Ce n'est pas le spirituel. Ezali molimo te. C'est l'homme Jésus. Ezali moto yo Yesu. Amen. Amen. Parce qu'il est, il vient pour la rédemption. Pour vous remettre vos droits. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, c'est, il y a eu des cris. Parce que le titre de la des propriétés est venu. Et il donne ça au septième ange. Et quand le septième ange proclame le message, vous dont les noms étaient inscrits dans ces livres, vous sautez de joie. Parce que vous recevez maintenant la vie éternelle. Et ça, c'est incontestable. Même avec Paul, on pouvait encore contester. Avec les autres, parce qu'ils n'avaient pas encore ces livres-là. Et ils avaient le gage. Bango bazalaki na ndanga. Le gage. Bazalaki na ndanga. Ils attendaient ces livres. Bazalaki kozela mokanda oyo. Ces livres de la rédemption. Mokanda oyo na lisiko. Nous, c'est pourquoi Paul dit, yangwana Paul alobi, nous qui avons les prémices, biso ba etozali na mbuma ya liboso, nous gémissons, tozali kokimela, nous soupirons, tozali kokina mikima, attendant la
d'adoption. Nous gémissons. Même s'ils avaient les armes, ça ne suffisait pas. Ils gémissaient, ils attendaient quelque chose qui devait venir. Et de savoir que la chose même pour laquelle Paul gémissait et soupirait. Aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, nous recevons ça. C'est une grâce. C'est un privilège. Et nous devons savoir quel est le privilège qui est attaché à ça. Dans cet âge de l'amnésie spirituelle. Dans cet âge où le diable sachant que Dieu va révéler des choses extraordinaires, il vient aussi avec toutes les armes pour distrait pour te faire croire non ce n'y a rien. Et comme c'était dans l'Ancien Testament et que même le jour de jubilé, si tu étais quelque part dans un endroit clôturé avec des murs, même si la trompette a sonné, mais toi tu es là dans un mur et que tu n'as pas entendu ce son de jubilé, c'est terminé. Et si lipo na yo, tu entends ça, oyoki yango, mais tu es distrait. Hein? Ton maître là te dit non, écoutez, moi, tu vas rentrer là-bas, c'est bien. Hein? Mais tu vas encore souffrir. Mais moi, Kasingai, je vais te donner ceci. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner ceci. Il te trompe. Il va te donner des fausses promesses. Moi, je vais te donner de l'argent. Tu entends la trompette. Tu sens que ça ne te dit rien. Parce que tu as reçu des promesses. Comme il en a donné à elle. Si tu manges, vous serez comme des dieux. Vous serez comme ça, vous serez comme ça. Des promesses qui n'ont jamais été accomplies. Des mensonges. Et Eva crie à des mensonges. À ces promesses-là. Et elle est perdue. Et c'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Devant ces choses extraordinaires que Dieu est en train de révéler à son peuple, il va distraire les gens. Pendant qu'on est en train de parler, lui il est en train de penser de Dubaï, lui il est en train de penser au magasin, lui il est en train de penser à ceci, lui il est en train de penser, il ne vient pas à l'église, il est en train de voir les matchs en Afrique du Sud, pour qu'après il devienne, non pardon Seigneur. Si Esaü a été pardonné, hein? Et si les vierges folles entreront, bakokota, toi aussi avec ton amusement aussi tu vas entrer. Mais c'est ça ce que le diable est en train de faire. Des grandes choses que Dieu est en train de révéler à ses enfants. Qui pouvons faire de cette église une église glorieuse. De l'épouse, une épouse glorieuse. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de jouer, de faire son jeu. Satan a pe azali ko salo ya emo sala. Pour distraire les gens, tourner leur pensée à autre chose, afin que ces choses n'aient pas d'effet
Mais même s'il séduit beaucoup d'autres, mais il y a les élus qui ne pourra pas séduire. Il ne va pas distraire les élus. Vous voyez même dans la vision de l'épouse, comment cette épouse était en train d'aller dans la gloire. Ah, vous pouvez voir, on pouvait voir dans les défilés là-bas. Les militaires, quand ils faisaient les défilés là, dès qu'ils arrivent là où se trouvait le président, leurs yeux ne regardaient plus ailleurs. Ils regardaient tous là où se trouvait le président. Et pas ils m'ont contemplé. Tous au même pas. Bangonyoso n'a compris qu'à quel moment les yeux regardant là où se trouve le président. Kotala kai pas ils m'ont contemplé. Et quand l'épouse allait dans la gloire. Le tango moi si na libala zali kokele na kembo. L'épouse les yeux tournés. Moi si na libala miso na ezala ki kotala. Là où se trouvait le prophète. Et pas ils m'ont sacolé zali. Et l'ange du Seigneur était avec les prophètes. Moi c'est na kolo zala ki longo na mosa. Mais il y en avait qui étaient là derrière. Pendant que les autres regardaient là où se trouvaient les prophètes. Les autres distraites. Les prophètes disent, quelques-unes qui se trouvaient là derrière. Ndambo na ba o bazai kati na mwasi na libalo bazai na sima. Bazai kotala bipai na bipai. Baloko kwa mwasi koganga ka haleluya haleluya. Kotala bipai na bipai. Et pendant qu'elle regardait ailleurs, ben atango bazai kotala bipai mosusu. Elle sortait du rang. Bazalaki kobima na molongo. Et les prophètes devaient crier. Rentrez dans les rangs. Rentrez dans les rangs. Et Branham dit que c'est ce que je vais faire quand je serai de l'autre côté. Oui.